ton monde est d'un. Sans qu'on ait essayé d'attendre comme ça, je vois une perruque. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que cette perruque vient chercher dans l'eau? De la voir flotter à 100 mètres de la pluie. J'ai dit, j'avais prévenu qu'il fallait enlever les affiches. Apparemment, en fait, dans cette eau. Encore rien parce que je me souviens très bien que j'ai pris Coco, je l'ai jeté dans la piscine, les perruques sont allées dans tous les sens, c'est allé très très vite en fait, c'est allé très très vite, mais voilà. Tout le monde sait, même devant les caméras, j'aurais pas peur quand je veux, donc ça me dit quoi, et on se bat dans l'eau. Ça devait arriver, on n'allait rien pas se taper dessus. Parce que voilà, chacune n'arrive pas à mettre son ego de côté pour qu'on puisse travailler. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est arrivé. Donc c'est la bagarre, ça va dans tous les sens. Mais moi, je veux pas séparer parce que je sais pas nager. Je peux venir séparer une bagarre et je me noie. Donc j'essaie de rester sur le côté et je cherche les gens à côté. Mais allez séparer la bagarre de nos deux divas là. Si on m'avait dit ça en vrai, j'allais dire c'est faux. Non, c'était beau à voir, mais voir des adultes comme ça, des mères de famille, des dames comme ça qu'on prend pour exemple, en train de se battre dans la piscine.